Incroyable, hein, tu vois. L'eau te rentre dans la tête, hein. Elle ressort par ton oreille. Hein. Ça te lave le cerveau, hein. C'est fantastique. Hein. C'est très très bon pour la tête. Hein. J'y déclare. Voilà. Nous sommes à la cascade de Salins. Cascade de Salins qui se trouve dans le Cantal, non loin de Mauriac, juste au-dessus. On voit, c'est une magnifique cascade qui est en fait le résultat du saut de l'Auze, petite rivière qui s'en va gambader ensuite dans les vallées un peu plus lointaines. Très très belle. Alors la spécificité de la cascade de Salins, c'est qu'il y a aussi la fontaine du Druide qui se trouve de l'autre côté. Et pour y aller, il faut passer sous la cascade. Et après, qu'est-ce que la fontaine du Druide? Nous allons aller voir ça tout de suite. Regarde. Hop, hop, hop. Petit effet spécial, regardez là. Hop, oh là, oh, ça me lave la tête. C'est nul. Très belle. Voilà. Allez dessous, hein. Regarde. Allez dessous. On va continuer maintenant vers la fontaine du Druide. Hein. Un peu plus loin. La fontaine du Druide. Donc on ne sait pas son histoire réellement. On ne sait pas non plus si elle a des effets bénéfiques, c'est-à-dire si elle soigne de la lèpre ou... Les gens qui dépensent beaucoup trop pendant les soldes. On va voir tout de suite. Voilà, apparemment elle est là. Ah, c'est spécial. Allez. J'ose même pas la toucher, je sais pas trop si c'est... Voilà, on va retourner sous la cascade. Hein. Magnifique, hein.